C'est un rendez-vous qu'on rattrape plus jamais, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ça correspond à tout ce qu'on aime. C'est un événement. Enfin, j'ai peut-être un point de vue d'enseignant, mais pour moi, c'est un événement qui a une portée pédagogique. Parce qu'on se retrouve, et là, on l'a vu, on a des gens qui débutent, qui bidouillent, qui se retrouvent avec des pros et avec des jammeurs experts. On en a eu quelques-uns là. Des gens qui, on les voit à toutes les jams. C'est des acharnés absolus. Ils ont toutes les techniques. Et ça se brasse beaucoup. Moi, j'ai fait une équipe avec des étudiants, des anciens, des actuels étudiants. C'était hyper sympa. Il y avait pas, on était tous dans le même entrain. Donc c'est vraiment un esprit qui nous plaît, quoi. C'est l'occasion d'innover, c'est l'occasion de créer, c'est l'occasion de partager et c'est juste nos valeurs, quoi. Donc moi, mon fantasme, hein, ce que j'ai imaginé de ce que serait la Game Jam, c'est que c'est une grosse fête. Welcome to the 2016 Global Game Jam. Je m'appelle Maxime, Benjamin Rodriguez, Nicolas, Pierre Brochet, Alicia, Raphaël, KJP. You are a part of the world's largest game-making event. This weekend, more than 5,000 games will be made. We hope you are up for a new challenge, sharing your ideas and an opportunity to show the world your amazing talent. Ah bah là, je dois avouer que je me sens super bien, super chaud. Je suis stressé un petit peu, j'ai de l'adrénaline, mais je suis chaud bouillant. Ça va être vraiment cool, j'ai toujours aimé faire des jams. C'est excitant parce qu'on a bien fait travailler nos cerveaux. Dire merci à Amplitude cette année parce qu'on est très fiers de le faire avec vous aussi cette année. Vraiment, vraiment, on espère le faire encore et encore et encore. Je vois encore les prochaines années, voilà. Je te dis après le week-end. Okay. Alors avec Max, ça fait 2 ans à peu près qu'on meurt d'envie de créer notre propre jam parce que voilà, on a plein d'idées là-dessus. Mais on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Et puis il y a Izard qui sont venus nous voir et nous ont proposé de co-organiser avec eux cette année Global Game Jam. Bon, c'est une des plus grosses, une des plus prestigieuses, donc ça donne hyper envie de voir. Et en même temps, ça me permet d'apprendre beaucoup, de comprendre aussi un petit peu voilà, quelles sont les attentes un peu des jammers. Donc nous, on est venus avec toute une équipe d'Amplitude. Voilà, il y aura des artistes, il y aura des programmeurs, des designers, il y aura aussi des marketeurs comme celui-là. Donc on est une boîte qui vraiment s'intéresse énormément au design à la base. Et quand on propose les jeux, on a souvent travaillé en accès anticipé, avec la communauté, en interaction avec eux. On est obligé au départ, en tout cas, de leur proposer quelque chose de simple, compréhensible. On ne peut pas aller trop dans les détails. Et c'est vrai que y a un petit parallèle là-dessus aussi, c'est-à-dire essayer de trouver vraiment le cœur du jeu, ce qui va pouvoir montrer aux joueurs quelle est l'expérience qu'il va avoir en très peu de temps. Et je pense que c'est aussi ça, la jam, c'est essayer de trouver quelque chose qui accroche tout de suite et ensuite qui peut potentiellement plus tard être développé. Ce serait un jeu en arène, en fait, comme, un peu comme Towerfall. Et le but principal, en fait, ce serait de capturer les bougies du pentagramme, donc comme une capture du drapeau. Et une autre particularité, ce serait qu'en fait, on pourrait surtout poser des pièges, en fait, et pas avoir d'attaque directe. Ça va être un jeu où il y a deux joueurs qui s'affrontent, donc chacun, ils ont leur niveau, donc c'est un petit platformer. Et en fait, il y a des temples à activer dans chacun des niveaux. Et le premier joueur à activer les quatre temples fait passer l'autre joueur au niveau 2, donc un niveau plus difficile. The theme for the 2016 Global Game Jam is Ritual. Même si le thème peut paraître complètement étrange ou au départ peut-être que ça va pas trop nous inspirer, au final le fait d'avoir cette petite contrainte là, déjà ça va faire en sorte que les gens justement qui ne se connaissent pas vont pouvoir en parler, vont pouvoir se trouver un petit terrain d'entente autour de ça. Ce qui est assez sympathique, c'est que à l'annonce du thème, c'est
Il y a un joyeux bordel en fait, tout le temps dans la jam. Et à l'annonce du thème, les gens se répartissent. Il y a des îlots de discussion qui se forment en disant qu'est-ce que c'est qu'un rituel, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et on voit les tendances qui s'en dégagent. Parce que quand on pense rituel, on pense à l'XP, on pense au loot, on pense à des choses répétitives comme ça. Les invocations, les démons, le sang. Vaudou indien. Le quotidien. Le donjon de Nullbug. Sacrifier des bébés. Voilà. C'est ça notre projet. Moi j'ai un moment en particulier que j'attends avec impatience, c'est vraiment les pitchs. C'est-à-dire le moment où les personnes vont proposer leur projet, ils auront très très peu de temps pour le faire. C'est un party game, au début du jeu, on va vous expliquer un certain nombre de glyphes et ensuite il y aura 4 joueurs qui devront refaire l'action demandée par le glyphe. C'est un jeu où vous jouez un inspecteur des rituels et vous arrivez donc dans les maisons où des rituels ont foiré et vous devez vous empêcher donc la situation de dégénérer et qu'ils invoquent un démon qui va tout détruire. Lui c'est The Silent One, quand on lance le jeu il dit rien, il fait des trucs bizarres derrière l'écran, il est un peu flippant mais on comprend peu à peu qu'il veut qu'on fasse des choses. On tape sur le clavier, on fait la souris, on fait tout ce qu'il voulait qu'on fasse, merde on l'a libéré, il faut un virus sur notre ordinateur. Pour moi le rituel le plus fort c'est de ramener ses amis afin de créer la magie de l'amitié. Quoi de mieux que de ramener ses amis pour créer soi-même un rituel avec ses téléphones portables. Parfois on a plein d'idées mais il va falloir choisir la bonne, celle qui va le prouver ton concept, celle qui va vraiment améliorer peut-être la petite feature en plus qui va faire que ton jeu est différent des autres. Sacrifier des bébés. Ce qui est vrai pour tous les grands studios, pour les petits studios, pour tout le monde, c'est qu'il faut être capable de délivrer au niveau de ton ambition. C'est-à-dire que si tu normal, il faut être ambitieux pour faire un jeu, ça sert à rien de dire non, t'inquiète pas, je vais faire un truc, Aurel, pas crête, au moins je risque rien, c'est sûr que personne s'y intéressera. T'as toujours envie d'être ambitieux, mais il faut être sûr que t'as les moyens d'aller vers cette ambition. Et là, je pense que c'est ce qui va se passer dans une jam, c'est de dire bon voilà, je veux faire ce truc-là, je veux faire rêver, mais il faut que je sois sûr que je sois capable de le finir. L'idée, c'était de ne pas partir sur des rituels un petit peu genre la routine ou la religion. On voulait des rituels musicaux dans l'iFilm, c'est-à-dire qu'on va avoir une boucle de musique en fait qui va tourner, et à certains moments de la boucle uniquement, on pourra la finir. L'idée de la finir, c'est de peut-être jouer un petit peu sur qu'est-ce que dans les films nous évoquent les rituels qu'on a créés nous-mêmes avec les musiques de films. Par exemple, si on a une musique, un personnage qui est un petit peu en train de rentrer discrètement dans une salle, d'avoir une musique un petit peu au piano, tu vois, genre ting 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 ting, c'est un petit peu dans les cartoons. Ou alors, si on veut lui indiquer qu'un personnage arrive derrière lui, un ennemi, de faire un tintin, tu vois, et de jouer là-dessus. En gros, le personnage va être autonome dans une sorte de scène de film. Et l'idée, ça va être d'utiliser à bon escient les peu de moments qu'on a dans la boucle musicale, c'est ça le rituel, pour placer une action, en gros. Et le truc, c'est de jouer avec la musique. Donc l'idée, pour l'instant, c'est ça, mais c'est une game jam, donc ça va sûrement beaucoup changer. En gros, l'idée, c'est un personnage qui a des tocs. Qui du coup a ritualisé sa façon de vivre. Il est dans sa maison et son but c'est de réussir à en sortir, il veut sortir. Parfois ton prototype n'est pas concluant. Tu sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais, donc tu vas continuer. Et il y a un moment, je pense que c'est ça, de se dire on tue, on fait table rase et on redémarre. Et c'est une décision qui est souvent très difficile à prendre. N'ayant plus de graphiste, on s'est rabattu, on a réfléchi parce que nous on pouvait pas assurer les graphismes pour le jeu qu'on avait prévu musical, c'était juste beaucoup trop d'assets et de production pour nous, donc du coup on est parti sur quelque chose de complètement différent. Je pense qu'il faut pas faire une jam avec en tête que ça va être un proto pour un jeu faisable, parce que justement les idées les plus intéressantes on les a en étant déraisonnables. Le concept de notre jeu c'est un mélange entre un jeu de rythme multijoueur mais aussi d'infiltration, où en fait vous êtes lâché dans une espèce d'abbaye de moines pélicans et vous devez suivre les ordres de votre dieu Pelicanus et vous devez les suivre à la lettre. Le seul truc c'est que les 4 joueurs sont lâchés dans la foule et ne savent pas qui est qui en fait. Vous allez pouvoir vous repérer en déplaçant votre personnage, vous allez comprendre qui vous contrôlez, mais vos 3 adversaires ne seront pas évidemment repérés tout de suite et le but ça va être de les repérer et les buter. Les conseils qu'on donne beaucoup aux jammers c'est notamment au niveau de la technologie et des outils de rester sur ce sur quoi ils sont à l'aise, ils sont habitués, ils sont rapides. On a développé le jeu sur Unity. C'est fait sur Unity. Unity.
sur Unity essentiellement. On a développé le jeu sous Unity 3D. Le défi le plus important, il est sur le contenu du jeu. Donc tout ce qui va nous permettre de réussir, d'aller à l'essentiel, de s'assurer que la production se passe bien, il faut aller vers la facilité, il ne faut pas avoir de scrupules sur ça. Par contre, sur le contenu, sur la prise de risque, sur l'éditorial, sur la direction artistique, c'est là où il faut absolument faire quelque chose qui nous semble dangereux et déraisonnable. Après, pour des gens qui débutent dans le développement de jeu, c'est aussi l'occasion d'avoir quelque chose de fini. Donc il faut aussi doser le risque en fonction de à quel point on est un aventurier aussi. Je vois des gens qui sont un peu frustrés de ne pas avoir fait tout ce qu'ils ont pu faire. Nous, on a peut-être fait 15% de ce qu'on avait mis sur le papier. Je m'y attendais, ça ne me frustre pas. Quand tu arrives, tu vois, sur ces dernières heures, tu vois bien que les mecs sont à la minute près, quoi. Ils sont au taquet, ils sont super stressés. Et effectivement, tu vois que l'heure, 2 heures, 3 heures qui manquent, sont des heures qu'ils auraient bien aimé avoir en plus, forcément, quoi. Parce que il te manque toujours une heure. Quel que soit, t'arrives 72 heures, t'as toujours quand même manqué une heure, quoi. Il est pas fini, mais c'est un prototype assez abouti. On aimerait rajouter quelques trucs, mais il est totalement jouable. Et il fonctionne assez bien et il est plutôt joli. Non, il est pas fini, mais on va le finir. C'est le but. C'est le but au final, donc d'avoir un jeu fini, de pouvoir le montrer autour de nous et tout. Je les ai trouvés très positifs, mais global. Et c'est marrant parce que moi, normalement, au quotidien, c'est un truc que j'essaye de presque forcer, tu vois, dans nos équipes. Il faut rester positif, il faut s'encourager les uns les autres. On n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues, pour dire que l'autre est nul. Tu vois, au contraire, c'est pour appuyer sur les forces plutôt que sur les faiblesses des uns et des autres. Et parce que je pense que quand tu fais du jeu de vidéo pendant longtemps, t'as vécu des échecs, tu commences à te blaser, et du coup tu commences à un projet, et puis tout de suite tu te dis ouais, ça va marcher, ouais, de toute manière on n'a pas les moyens, ouais, de toute manière il n'y a pas de public, enfin, et là rien de ça. C'est les mecs qui commencent et tout est possible, tu vois, ils sont en train de conquérir le monde, quoi, tu vois, et ce truc là ça m'a rappelé quand même la raison pour laquelle on fait du jeu vidéo, et ce truc là c'est cette flamme, c'est un truc qu'il faut pas perdre, et donc ça me rappelle à quel point c'est triste quand des développeurs perdent cette flamme là, et je pense que ceux qui ont perdu cette flamme là ont vraiment besoin de revenir ici et de se rappeler pourquoi est-ce que eux-mêmes sont les dans le jeu vidéo, quoi. Donc il y a un truc qui est naturellement là et qui doit être naturellement présent dans toutes les équipes de dev du monde, quoi. Franchement, c'est génial. J'étais déjà là l'année dernière, ça s'était déjà très bien passé, et encore cette année, l'ambiance est super, l'organisation est très bien, et franchement, c'est toujours un plaisir de venir ici, c'est génial. Ouais, comme d'habitude, c'était bien. C'était cool, mais l'orga Isart est toujours assez propre. On n'a eu aucun souci, on s'est très bien entendu très vite, donc voilà. On avait une assez bonne ambiance dans le groupe. Après, ce qu'il faut favoriser, c'est la communication, parce que des fois, il y en a qui travaillent et en fait, ça sert pas à grand chose, ou des petits quiproquos comme ça. Mais sinon, c'était bien. La question, c'est surtout, qu'est-ce qui a fait que j'ai mis si longtemps à faire une jam? C'était une question de circonstance. Je pense que quand j'étais junior, j'étais un peu intimidé. Pour de mauvaises raisons, clairement, parce que c'est très ouvert aux débutants. Et ensuite, j'étais occupé. Et je me rends compte là, à la fin de la jam, que j'ai eu tort de repousser aussi longtemps, parce que c'était très sympa. Premier truc que j'ai dit au gars bizarre, c'est l'année prochaine, on est là, quoi. Absolument, ça motivera à en faire d'autres, oui. Ah oui, carrément. Une par mois, ça serait bien. Mais moi, tout le temps, toujours. Les jams, j'en ferai toujours, je continuerai à en faire.